attendu assez. J'aimerais vraiment vous souhaiter un très grand bienvenue. Quel plaisir de voir vraiment vos visages rayonnants, les visages qu'on connaît depuis tant d'années et des visages qu'on n'a pas vus depuis tant d'années et des nouveaux visages, des nouveaux amis, des nouvelles amies. Et je suis très contente que vous avez rejoint cette initiative ce soir. Comme vous le savez, c'est une initiative individuelle qui a commencé avec un groupe d'amis à Toronto. Et vous avez tous reçu le site web firesidebahai.org. C'est une initiative qui essaie de ramasser des coins de feu. Alors, qu'est-ce que c'est un coin de feu? Vous le savez déjà, mais peut-être parmi les nouvelles amies, vous ne savez pas. C'est vraiment des occasions d'échanger, d'avoir des discussions informelles, interactives. Les questions sont très bienvenues. Et on veut créer un environnement intime, comme si on était dans le salon les uns des autres. Et puis, on pouvait vraiment se voir physiquement. Alors, vraiment, sentez-vous à l'aise. On est très, très contente d'avoir avec nous ce soir notre cher invité, M. Mahmoud Samandari. Je crois que vous avez vu le bio de M. Samandari, mais je veux juste réitérer certains certaines caractéristiques et pourquoi il était invité ce soir, vraiment, pas seulement à cause de son accomplissement au niveau de l'entrepreneuriat et sa connaissance profonde des choses technologiques et des choses éducatives, mais parce qu'il a une grande capacité de communiquer et de transmettre à travers toutes ces sociétés et organisations qu'il a fondées les principes spirituels qui proviennent de la foi bahaï et d'appliquer surtout la consultation et tous ces principes très chers à nos cœurs. Et c'est pour cette raison, sa facilité à communiquer avec nous, à peut-être ses expériences, qu'il a choisi ce sujet tellement important pendant nos jours. Et je crois que vous avez vu, c'est la santé et la défense, le nouvel normal à travers cette pandémie. Et j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, premièrement, savez-vous que vous serez enregistré? Parce que quand vous allez sur ce site de Fireside Bahai, vous allez voir qu'il y a plusieurs coins de feu, avec des sujets différents, avec des perspectives différentes et des principes spirituels différents qui sera à votre disposition pour que vous puissiez inviter vos amis, n'importe qui que vous pensez sera intéressé dans une de ces sujets et vous pouvez avoir accès à ces causeries, à ces discussions pour toujours. Alors, nous sommes très contentes et nous allons juste vous demander, s'il vous plaît, aussitôt qu'on commence, on va complètement silencieusement nous assourdir, si on peut dire. On va se mettre sur mute. Et si vous pouvez, ce qu'on va vous essayer de faire, c'est de composer vos questions à travers la causerie de M. Samandari. Composez vos questions, s'il vous plaît, et les mettre dans la boîte qui s'appelle chat. Et comme ça, je pourrais appeler votre nom quand la question, ça sera le temps d'échange des questions. Comme ça, on pourra peut-être échanger et essayer de voir les questions ensemble. Quoi d'autre que je voulais vous dire? Je voulais vous dire aussi, si vous avez des questions, vous pouvez toujours, dans cette boîte chat, levez vos mains. Il y a une possibilité de dire un lever de main au lieu de le dire à haute voix et d'interrompre. Aussi, est-ce qu'il y a une autre chose que je voulais vous dire? Non, je pense que c'est tout. On va commencer sans tardir. Et puis, vraiment, j'aimerais premièrement dire combien je suis impressionnée par M. Samandari et quel sacrifice qu'il a fait de nous rejoindre ce soir. Vraiment, c'était fait pour nous. La communauté québécoise
et la communauté canadienne, parce que pour lui, c'est les petites heures du matin. Alors, c'est presque 1 heure et quart le matin et il est encore éveillé et capable de partager avec nous. Alors, je vous souhaite une très grande bienvenue. S'il vous plaît, Monsieur Matamandari, si vous voulez commencer, ça sera un plaisir. Merci beaucoup. Vraiment, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Il n'y a pas de danger que je m'endorme à cause de l'heure tardive, mais je vais essayer de ne pas vous endormir à vous pour que nous restions tous éveillés pendant cette conversation. D'abord, un mot sur le pourquoi de ce sujet. En fait, ce sujet est né d'une conversation que nous avions avec quelqu'un, tout simple, sur la question des futures pandémies. Dans cette conversation, quelqu'un a dit, bah, des pandémies, il y en a eu toujours et il y en aura aussi toujours. Et ceci nous a mené dans la voie d'une réflexion sur une citation du Gardien. Et ça va être cette citation qui va être le point de départ de notre conversation ici. Avant de lire cette citation ensemble, simplement, j'aimerais rappeler que la pandémie est loin d'être terminée. Malheureusement, il y a même apparemment une sorte de regain, une sorte de deuxième vague, ou en tous les cas, une mini-vague qui commence. Et ce qui fait que ce ne sont pas maintenant les moments où on peut commencer à penser à des solutions. Sinon, ce que nous devons faire de mieux aujourd'hui, c'est poser les bonnes questions. Et pour cette raison-là, le format de notre conversation de ce soir va être autour des questions. Vous verrez comment, quand on avance davantage. Une des questions que nous posons maintenant, c'est comment nous préparer pour répondre aux futures pandémies. Est-ce que nous allons faire exactement la même chose que nous avons fait cette fois-ci, mais mieux et avec une plus grande quantité? Et en tous les cas, la première chose, c'est de nous inspirer par ce que le gardien nous dit. Et je me permets de partager avec vous l'écran. Et le gardien dit en 1936: les énergies immenses que la guerre économique ou politique dissipe et gaspille seront consacrées à étendre la portée des inventions humaines et du développement technologique, à accroître la productivité de l'humanité, à exterminer la maladie, à pousser plus avant la recherche scientifique, à hausser le niveau de la santé physique, à rendre le cerveau humain plus vif et plus subtil, à exploiter les ressources de la planète jusque-là inemployées et insoupçonnées, à prolonger la vie humaine et à développer tout autre moyen propre à stimuler la vie intellectuelle, morale et spirituelle de la race humaine tout entière. Alors, comment pouvons-nous comprendre ce passage à la lumière des développements récents? Évidemment, la portée de ce message est immense et nous n'allons pouvoir qu'examiner quelques aspects seulement ce soir. En 2019, l'Organisation mondiale de la santé a célébré le 40e anniversaire de l'éradication de la variole. Dans un communiqué qui date d'à peine 6 mois, 13 décembre 2019 pour être précis, l'OMS dit la chose suivante: ce jalon historique rappelle combien il est urgent d'investir dans la sécurité sanitaire mondiale et la couverture sanitaire universelle. Peut-être que l'OMS savait déjà quelque chose le 13 décembre de l'année passée, mais en principe, ce n'était pas une référence directe à notre pandémie, sinon l'expérience de 40 ans de l'éradication d'une maladie. L'Organisation de la Santé a célébré aujourd'hui
le 40e anniversaire de l'éradication de la variole. Celle-ci avait été confirmée le 9 décembre 1979. Est-ce que nous pouvons en tirer la conclusion que la préparation pour affronter les futures pandémies va au-delà d'augmenter de manière linéaire le nombre de lits d'hôpital et les masques disponibles? Est-ce que la seule chose que nous avons apprise de cette pandémie, c'est que il nous faut plus de lits d'hôpital, donc augmenter par 10 ou multiplier par 10 les lits d'hôpital dans les pays avancés et par 100 dans les pays en développement, et puis d'avoir un inventaire d'1 milliard de masques quelque part en permanence lorsque la prochaine pandémie se présente. Donc, la première question que nous allons nous poser et qu'à la fin de la conversation, nous y reviendrons, c'est la préparation pour affronter les futures pandémies va-t-elle au-delà d'augmenter de manière linéaire le nombre de lits d'hôpital et de masques disponibles? Et si oui, de quelle manière pouvons-nous découvrir en quoi cela consisterait? Donc, c'est une question que nous allons explorer ensemble. Ne vous faites pas de soucis si vous ne vous souvenez pas. Ça sera sur votre écran tout à l'heure quand on y arrivera. Un deuxième aspect, c'est ce que nous avons vu pendant cette pandémie pour l'utilisation des ressources militaires pour combattre le virus. On a tous vu, selon les pays, comment des installations militaires, du personnel, des équipements, des navires et d'autres ressources pour la recherche et le développement ont été utilisées. Pourquoi est-ce que cela a de l'importance? C'est parce que dans la citation du gardien que nous avons lue tout à l'heure, il a commencé en disant « Les ressources qui sont aujourd'hui dépensées pour la guerre seront utilisées pour d'autres choses, y compris l'éradication des maladies. » La question donc que nous nous poserons plus tard, c'est « Quelle est la relation entre l'utilisation des ressources militaires pendant la crise, donc ce que nous avons vécu pendant les derniers mois, avec la situation du gardien ?» Un autre élément, c'est en fait la question d'une éventuelle transition de l'industrie militaire vers une utilisation pacifique. De nouveau, inspiré par le texte du gardien, on s'est posé la question de la possibilité d'une transition, de la transformation de certaines industries ou de toute l'industrie militaire. Dans un ouvrage intitulé « Global Governance and the Emergence of Global Institutions for the 21st Century », les auteurs, qui sont tous Baha'is, ont indiqué la chose suivante. Il n'est pas inconcevable qu'à plus long terme, la transition vers une économie avec un complexe militaro-industriel plus petit soit en réalité un processus de création d'emplois. En fait, je vais partager aussi avec vous l'écran comme ça. Ah, c'est pas le bon. Peu importe, on reviendra. Il n'est pas inconcevable qu'à plus long terme, la transition vers une économie avec un complexe militaro-industriel plus petit soit en réalité un processus de création d'emplois, avec l'émergence de nouvelles industries qui créeraient plus de richesses que la fabrication d'art. L'expérience de l'Union soviétique à cet égard est illustrative. Avec la fin de la guerre froide, le complexe industriel militaire soviétique s'est effondré. Et à court terme, cela a entraîné des bouleversements massifs et une forte contraction de la production et de l'emploi. En 1999, toutefois, l'économie russe était entrée dans une période d'expansion robuste, avec notamment l'émergence de milliers de nouvelles entreprises dans les secteurs industriels, des services et de l'agriculture. Évidemment, ceci n'est pas un modèle pour le monde entier. Nous utilisons cet exemple tout simplement pour dire que cela a été possible
de convertir un grand complexe militaro-industriel pour d'autres fins. Plusieurs exemples, en fait, ont été vus pendant la pandémie. Par exemple, le ministère de la Défense des États-Unis a signé beaucoup de contrats avec des entreprises de défense pour accélérer la production de respirateurs et de masques respiratoires en pénurie à travers le pays. En Angleterre, les principales sociétés aérospatiales ont répondu à l'appel du gouvernement et ils ont construit des ventilateurs pour aider à faire face à l'aggravation de la pandémie. Airbus et d'autres compagnies ont confirmé qu'ils se joindraient à d'autres sociétés aérospatiales pour développer et construire un prototype de ventilateur très rapidement. Et finalement, la production augmente même dans d'autres industries. Par exemple, les marques de mode ont réorganisé leurs ateliers et usines pour la fabrication de produits de santé essentiels. Les masques chirurgicaux, au savon, les maisons de luxe comme Hermès, Prada, Louis Vuitton, Balenciaga et Yves Saint Laurent ont tous commencé à produire des équipements pour la pandémie. Alors, la troisième question que nous nous poserons à la fin, c'est comment comprendre ces exemples d'utilisation de la capacité existante dans le contexte d'une éventuelle transition de l'industrie militaire. Vous voyez comment, juste petite étape jusqu'ici, cette simple citation du gardien d'il y a 84 ans commence à devenir réelle. De l'idée de la possibilité de l'éradication d'une maladie en 1936, qui est devenue réalité à la fin des années 80, à la fin des années 70, de la possibilité de l'utilisation de l'industrie militaire dans différents domaines. Mais cette citation du gardien de 1936 est arrivée après cette introduction que nous allons lire ensemble. Cette fois-ci, j'espère que nous n'allons pas avoir de problème pour le partager. Une seconde. Voilà, share screen. Le gardien dit « L'unité de la race humaine, telle que la conçoit Baha'u'llah, suppose l'établissement d'une communauté universelle où toutes les nations, les races, les croyances et les classes sont étroitement et définitivement unies. Où l'autonomie des États membres ainsi que la liberté et les initiatives personnelles des individus qui les composent sont complètement et catégoriquement sauvegardées. Cette communauté, autant que nous puissions l'imaginer, doit comporter une législature universelle, dont les membres, en tant que mandataires de l'humanité tout entière, auront en fin de compte le contrôle de l'ensemble des ressources de toutes les nations qui la composeront et édicteront les lois nécessaires pour régler la vie, pourvoir aux besoins et harmoniser les relations de tous les peuples et de toutes les races. Il continue en disant « Un pouvoir exécutif mondial s'appuyant sur une force internationale veillera à l'exécution des décisions arrêtées par cette Assemblée mondiale, à l'application des lois qu'elle aura votées et à la sauvegarde de l'unité organique de la communauté tout entière. Un tribunal mondial se prononcera et délivrera son verdict final et contraignant dans tous les conflits qui pourront s'élever entre les divers éléments qui constituent ce système universel. Un mécanisme d'intercommunication mondiale sera imaginé qui embrassera toute la planète, qui sera affranchi des entraves et des restrictions nationales et fonctionnera avec une rapidité merveilleuse et une régularité parfaite. En fait,
à part la dernière régularité parfaite, parce que nous avons tous été victimes de quelques problèmes avec nos connexions Internet, finalement, c'est le gardien qui, en 1936, prévoyait la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés maintenant. La question que nous allons nous poser sur cet aspect-là, c'est de savoir si la crise actuelle est une crise sanitaire seulement ou plutôt une crise de gouvernance. Gouvernance à tous les niveaux, local, national et international. Et gouvernance dans tous les domaines, scientifique, politique et social. Une autre réflexion que nous allons faire, c'est concerne la place de l'individu, de nous tous réunis ici ce soir, dans le processus de changement et de la construction du monde que nous voulons. Le message suivant nous rappelle notre responsabilité et privilège en même temps, donc un message de la Maison universelle de justice, l'organe suprême de la communauté Bahá'í, daté du 1er mars 2017. Et dans ce message, la Maison de justice nous parle de comment participer activement dans le mouvement universel de la transformation sociale. Et nous allons voir le texte suivant. Ah, pardon, c'est mieux comme ça. Chaque choix que fait un Bahá'í en tant qu'employé ou employeur, producteur, oups, oubliez-le, il y a un problème dans la présentation, on reviendra au texte. Mais tout le monde a étudié ce message tellement de fois que vous le connaissez par cœur. La Maison de justice dit « Chaque choix que fait un Bahá'í, en tant qu'employé ou employeur, producteur ou consommateur, emprunteur ou prêteur, bienfaiteur ou bénéficiaire, ça veut dire vraiment tout le monde, chaque choix que fait un Bahá'í laisse une trace. » Et l'obligation morale de mener une vie cohérente exige que les décisions économiques qu'il prend soient conformes à des idéaux élevés, que la pureté des actions accomplies pour remplir ses buts soit à la mesure de la pureté de ses objectifs. Non satisfait des valeurs qui prévalent dans l'ordre actuel qui les entoure, donc pas le nouveau normal, pas l'ancien normal que nous avions, mais le nouveau normal que nous cherchons à construire, non satisfait des valeurs qui prévalent dans l'ordre actuel qui les entoure, les amis partout devraient envisager d'appliquer les enseignements à leur vie, profitant des possibilités que leur offre leur situation. Apporter leur contribution personnelle et collective à la justice économique et au progrès social, et ce, où qu'ils résident. Ces efforts s'ajouteront à la masse grandissante de connaissances sur ce sujet. Ici, il y a une autre chose que nous pouvons nous demander. Une des questions que nous avons mentionnées au début, c'était quelle est ou comment va se définir le nouveau normal. La réflexion que nous pouvons faire est la suivante. Les grandes transformations de notre société dans le siècle passé étaient fondamentalement les transformations qui sont arrivées après les deux catastrophes, les deux grandes catastrophes du siècle passé qui étaient les deux grandes guerres. Mais la transformation qui est venue après chacune de ces deux guerres était décidée par quelques hommes blancs, en cravate, derrière des portes fermées, et qui ont décidé comment allait être le monde. C'est ainsi que notre système économique a été développé. C'est ainsi que notre système financier a été développé. Et c'est ainsi que le matérialisme est devenu le principe fondamental de la vie de notre société. Cette fois-ci,
ce ne sera pas pareil. Si ce n'est pour aucune autre raison, pour le fait que dans ce message du 1er mars, nous avons l'indication que chaque individu contribuera à la création de ce monde nouveau. Et ce n'est pas un hasard que ceci correspond aussi à la période de l'humanité où les réseaux sociaux, par exemple, le moyen que nous sommes en train d'utiliser juste en cet instant, viennent appuyer la possibilité de la participation universelle dans l'élaboration d'un monde nouveau. Dans un autre message, la Maison universelle de justice a dit que la justice nécessite la participation universelle. Sans la participation universelle, pas de justice possible. Et c'est aussi pour cela que vous allez tous travailler tout à l'heure, quand nous allons lire les questions ensemble et nous allons essayer de trouver des réponses ensemble à ces questions-là. Alors, donc, les deux dernières questions qui nous restent, c'est comment devons-nous envisager d'appliquer ces enseignements à nos vies suite au message que nous avons eu? Et puis, se pourrait-il que s'engager dans des conversations significatives et profonde dont nous parlons tout le temps, soit le début de cette réflexion pour ce changement. Et si c'est comme ça, si c'est oui, et personnellement je pense que c'est avec ces conversations que nous allons pouvoir commencer à trouver la solution, nous devons commencer ces conversations maintenant. Et je vais après mettre sur l'écran les questions que nous avons vues pendant cette courte présentation pour pouvoir ensemble commencer une conversation. Et je répète, la conversation ne sera pas pour dire « demain sera comme ça ». La conversation sera pour chacun de nous de trouver les questions d'apprentissage que nous aurons chacun pour nous et aussi pour vous annoncer en fait que cette conversation en tant que telle est dans le format actuel va être la première de deux au moins. Il y aura une deuxième conversation que Mitrajun va annoncer plus tard. Mais en fait, nous sommes en train de penser de même créer un groupe de réflexion autour de ce sujet avec des réunions interminables jusqu'à l'établissement peut-être de l'âge d'or ou l'approche de l'âge d'or dans notre âge. Voilà, alors maintenant je vais partager avec vous, cette fois-ci j'espère sans problème. Voilà. Est-ce que tout le monde voit les questions? Quelqu'un peut dire oui? Oui, excellent. Très bien, merci. Alors, ça c'est les questions que nous nous sommes posées au fur et à mesure que nous avons avancé. Je me permets de vous les lire et après nous commencerons aller discuter dans l'ordre que vous voulez. Donc, la première, c'était la préparation pour affronter les futures pandémies va-t-elle au-delà d'augmenter de manière linéaire le nombre de lits d'hôpital et les masques disponibles? Et si oui, de quelle manière pouvons-nous découvrir en quoi cela consisterait? La deuxième question, c'est quelle est la relation entre l'utilisation des ressources militaires pendant la crise avec la citation du gardien que nous avons lue au début? La troisième question, c'est comment comprendre ces exemples d'utilisation de la capacité militaire dans le contexte d'une éventuelle transition de l'industrie militaire? J'ai oublié de mentionner que ceci correspond aussi à un autre principe pareil qui est celui de désarmement général proposé aussi bien par Baha'u'llah déjà il y a 150 ans et répété à maintes reprises par exemple par la communauté internationale Baha'i au sein des Nations Unies. Quatrième question, c'était savoir si la crise actuelle est une crise sanitaire ou plutôt une crise de gouvernance, gouvernance à tous les niveaux, local, national et international, et dans tous les domaines scientifique, politique et sociale. La autre question, c'est comment devons-nous envisager d'appliquer ces enseignements à nos vies? Ça, c'était la citation du 1er mars, la responsabilité de chacun de nous de créer ce nouveau mode de vie.
et finalement, se pourrait-il que s'engager dans les conversations significatives et profondes soit le début de cette réflexion et de ce changement. Voilà, nous allons commencer maintenant notre conversation. Pas seulement des questions et réponses parce que je n'ai pas de réponse, je n'ai que des questions. Merci Mahmoud, John. C'est très très bien que vous avez au moins fait le survol sur les questions et combien important c'est d'être dans cette mode d'apprentissage et de vraiment commencer à réfléchir profondément avec les questions. Je trouve que c'est très intéressant ce que vous disiez au niveau de les défis que ça soulève et que ce n'est pas une solution immédiate puis facile. C'est vraiment à développer et c'est à nous comme individus qui sont responsables de contribuer, de trouver pas seulement les solutions, mais les questions profondes qu'il faut demander. Comment solliciter justement la participation de tout le monde? Comment élever une conversation pour qu'on puisse vraiment traiter les problèmes sous-jacents et l'attitude, comment l'approche doit changer. Ce qui me fascinait, je ne vois pas vos mains encore, mais je vais vous recevoir bientôt. Si vous permettez, je vais demander une question parce qu'il me semble ce qui est très intéressant dans cette citation du gardien et au-delà de ce que vous avez mentionné, que la Maison universelle de justice a mentionné, que ce n'est peut-être pas nécessairement juste la question de quelle sera notre approche à la prochaine pandémie, mais quelle est notre attitude, notre démarche individuelle et quotidienne face à ces questions globales. Est-ce qu'on est en train premièrement de regarder dans le contexte ou regarder juste le fait d'un virus et les conséquences d'un virus, mais regarder peut-être au-delà et derrière, qu'est-ce qui est venu en avant? Comment le traitement de notre environnement a affecté ou affecté une propagation d'un virus d'une telle nature? Je me demande, est-ce que vous avez réfléchi au niveau des questions environnementales aussi? J'aimerais vraiment inviter tout le monde à participer. Ceci est vraiment une conversation. Donc, à n'importe quel moment, vous intervenez, s'il vous plaît. Ça ne doit pas être ni un monologue, ni une séance de questions et réponses. Mais en tous les cas, l'aspect environnemental a été fondamental aussi dans cet ouvrage que j'ai cité qui pense à une réforme du système de gouvernance globale. En fait, dans un autre message, la Maison universelle de justice nous a expliqué que durant le XXe siècle, nous avons eu trois opportunités très spéciales. La première opportunité, c'était la Première Guerre mondiale suivie par les créations de la Société des Nations. La deuxième était la Deuxième Guerre mondiale suivie par les créations des Nations Unies. Et la troisième, c'était la fin de la guerre froide au début des années 90, qui a créé un mouvement extraordinaire, une ébullition d'initiatives internationales de toutes sortes, qui malheureusement s'est terminée au début de ce siècle avec les événements de 11 septembre et tout ce qui est suivi par la suite. C'était une opportunité effectivement similaire à celle que nous avons aujourd'hui pour faire un changement à long terme. Mais si on pense au message de la promesse de la paix mondiale de 1985 de la Maison universelle de justice, on se rappelle que le premier paragraphe dit que cette paix que nous avons toujours attendue est enfin à la portée de la main, que non seulement elle est possible mais inévitable, parce que c'est la prochaine étape de l'évolution de l'humanité. Mais
Ce premier paragraphe plein d'espoir est suivi par un deuxième paragraphe qui nous met en garde en disant que cette paix arrivera ou bien comme les résultats d'une action volontaire de tous les États, ou bien comme conséquence d'innombrables souffrances de la part de l'humanité si elle décide de ne pas faire attention au message qu'il a reçu de la divinité. Alors, nous voyons, à mon avis, malheureusement, ce que le gardien a prévu aussi dans d'autres lettres de l'ordre mondial Baha'u'llah, que l'humanité a besoin vraiment de crises importantes pour se réveiller. La crise environnementale a été et sera certainement une des crises qui nous réveillera. Les petits rappels ont été là, les tsunamis, les ouragans, etc. Mais il est prévu que juste pour la question de l'augmentation de niveau de mer suite au réchauffement global, dans les prochaines années, il pourrait y avoir 200 millions de réfugiés climatiques. Et pas nécessairement des pauvres. Des réfugiés climatiques, les gens de la Floride vont payer, ceux qui sont très proches de la mer, assez cher, les conséquences, par exemple, de l'élévation du niveau de la mer. Donc, ça sera la combinaison de plusieurs crises qui fera peut-être finalement se réveiller l'humanité. La crise environnementale, maintenant la crise sanitaire, la crise de la réalisation de problèmes sociaux, surtout raciaux, et finalement la crise qui inévitablement va arriver, la suivante, la crise de la pauvreté. Parce qu'en fait, tous ces éléments vont avoir une conséquence tout à fait négative sur la question de l'économie mondiale. Les pauvres vont en souffrir le plus et je ne veux même pas imaginer ce qu'il y aura comme conséquence de cette crise qui va venir. Donc, d'une manière ou d'une autre, l'environnement va ajouter à ces différentes crises pour réveiller l'humanité. Juste une dernière chose là-dessus, dans une présentation il y a quelques semaines de quelques amis en Afrique du Sud, quelqu'un a posé la question au présentateur, est-ce que l'humanité apprend des crises? Est-ce que nous n'avons pas eu la crise de 2014, ici en parlant de l'économie, ou la crise de 2008? Et j'ai beaucoup aimé la réponse. La réponse était que chaque crise, c'est comme une fissure dans un édifice qui de toute façon va s'écrouler. Et nous ne savons pas exactement à quel moment, à quelle date et avec laquelle des crises qui vont venir, que l'édifice va vraiment complètement s'écrouler. Mais une chose est certaine, une fois qu'avec l'ensemble des crises, l'édifice s'écroule, pour construire le nouveau, les gens auront besoin non seulement des idées, mais de quelque chose d'existant. Et c'est notre devoir à nouveau, comme la Maison universelle de justice a dit dans ce message, de commencer à construire. Quand elle dit que... pardon. Quand elle dit que non satisfait des valeurs qui prévalent dans l'ordre actuel qui les entoure, les amis devraient envisager d'appliquer les enseignements à leur vie et profitant des possibilités que leur offre leur situation, apporter leur contribution personnelle. Ces efforts s'ajouteront à la masse grandissante de connaissances sur ce sujet. Et la masse grandissante de connaissances sur ce sujet, c'est le modèle futur que nous allons avoir, le nouveau normal. Merci. J'ai une autre question au niveau des opportunités que vous sentez peut-être sont maintenant peut-être
il y a un portail d'ouverture. Par exemple, vous êtes à Genève et vous êtes vraiment dans le domaine de la gouvernance, un peu, je veux dire, la gouvernance au niveau industriel ou économique. Est-ce que vous sentez qu'il y a plus d'une conscience élevée ou une opportunité de vraiment repenser cet concept de gouvernance? Vous savez, Paola, Est-ce que les gens continuent à faire la même chose qu'ils ont toujours fait, que c'est vraiment la vie quotidienne qui reparte encore, ou est-ce que vraiment on a la possibilité de repenser un peu? a dit que ce qu'il aimerait, c'est que ce que nous faisons soit en accord avec ce que nous disons. J'ai dit plusieurs fois que j'aimerais que tout le monde participe et je fais le contraire. Je vais poser une seconde pour voir si quelqu'un aimerait participer dans cette conversation avant de revenir sur votre sujet. Participez, s'il vous plaît, tout le monde. Est-ce que Gigi, tu voulais dire quelque chose? Yvan, allez-y. Vous allez vous. Est-ce qu'on m'entend? Oui. La question, c'est dans une situation problématique, peu importe quelle situation problématique ou quoi que ce soit, on a toujours la possibilité de se poser les questions pourquoi cette chose-là est arrivée. Et à ce moment-là, on est capable de pouvoir établir un plan d'action pour pouvoir planifier et prévoir la crise suivante, basée que ce soit si on parle là de pandémie, si on se pose la question à travers tous les problèmes qu'on a eus par rapport à cette pandémie, on pourrait éventuellement trouver les causes premières et à partir de là, planifier toutes les actions qui sont nécessaires pour pouvoir éviter ce genre de problème à la prochaine pandémie, parce qu'on sait qu'il va y en avoir une autre de pandémie, ou il y en aura des dizaines de pandémies. On ne sera pas tous là pour les voir, mais il y a comme une espèce comment je pourrais dire, de processus qu'il faut connaître par cœur, les gouvernements à travers les pays, à travers le monde, que ça parte de la Chine ou que ça parte d'ailleurs, il faudrait pouvoir agir de façon très rapide sur les causes qu'on n'a pas pu maîtriser dans cette pandémie. Merci, Yvan. Je vais juste demander je crois que c'est Eric, tu voulais dire quelque chose, Eric. C'est vrai? Je suis en train d'écrire un mot que, comme moi, j'étais jeune Baha'i, disant que c'est seulement dans les années dont Gigi a fait référence avec M. Samandari, on avait, les Baha'is prêchaient les 10 principes et que la solution au problème du monde dépendait de l'application de ces 10 principes. Il y avait beaucoup d'organisations qui prônaient une ou l'autre ou une autre en partie, mais il n'y avait que les Baha'is qui en prenaient les 10. Et il me semble aujourd'hui qu'on voit crise économique, on voit crise climatique, je veux dire, mais on voit beaucoup de problèmes. Moi, je suis toujours préoccupé par la surpopulation comme une grande force motrice pour beaucoup d'autres problèmes, mais il faudrait au lieu d'attaquer à un seul problème, il faudrait trouver une solution à toutes ces situations-là. Et évidemment, c'est la notion de gouvernance, la notion d'avoir un gouvernement qui fonctionne selon les principes de la foi Baha'i, pour le nommer comme ça ici. Ça nous permettrait d'avoir une solution que je dirais globale et qui nous permettrait d'avancer dans une. Dans une bonne avenue. France, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Ou Damien?
Alors, c'est Damien qui a quelque chose à dire, oui. Tout d'abord, bonjour tout le monde et principalement, j'ai trouvé la présentation de M. Samandari vraiment intéressante. Et en tant que Bahaï, je peux saisir l'importance qu'on a en tant qu'individu d'avoir des conversations élevées avec notre entourage, bien sûr. Et c'est important de transmettre le message de Baha'u'llah aujourd'hui. Mais comme toujours M. Samandari l'a mentionné aussi, lors des deux dernières guerres mondiales, quand on a voulu remodeler le monde, mais on sait que c'est principalement des personnages politiques qui se sont rencontrés, des principales nations, qui étaient soutenus aussi, il faut dire, ils n'ont pas fait ça tout seuls, ils étaient soutenus vraiment de façon importante par les grands de l'économie mondiale aussi, les grands économistes américains, mais surtout des grandes fortunes américaines, parce que c'est grâce aux Américains que l'Europe a pu se relever grâce au plan Marshall, par exemple. Donc, aujourd'hui, pour revenir à aujourd'hui, on est dans une crise. En fait, la crise, elle a commencé, si on veut, depuis longtemps au niveau économique. On sait qu'il y a des fluctuations économiques. Mais la principale source du problème aujourd'hui, c'est une crise sanitaire. Puis on sait que cette crise sanitaire-là a entraîné aussi une crise sociale, une crise économique, une crise environnementale, et une crise politique aussi, parce qu'on voit bien que chacun se replie dans dans sa retraite, chacun dans son pays, hein, et on essaie de s'accaparer les produits justement sanitaires dont on a besoin actuellement. On cherche des solutions, comme M. Samandari l'a mentionné tout à l'heure, avec les grandes industries pour trouver des moyens pour produire des produits pour faire face à la crise sanitaire. Donc, ça permet aussi à l'économie de survivre en quelque part. Donc, la crise, moi, je dirais, aujourd'hui, elle est presque globale. Hein? Même, on a des artistes qui sont en crise aussi actuellement parce qu'ils ne peuvent plus se produire comme ils le faisaient avant. Donc, l'économie est vraiment bouleversée aujourd'hui. Mais en fait, tout ce que je viens de vous présenter actuellement, c'était pour en venir à l'idée que aujourd'hui, je comprends que les Bahaïs, on est peu nombreux, on a un message fort à transmettre, mais que on sait aussi que dans le monde, ceux qui dirigent le monde, ce sont les grandes fortunes, ce sont les chefs politiques, ce sont les chefs religieux, si on veut, d'une certaine manière aussi. Mais comment faire? Oui, c'est ça dans certains pays, mais comment faire, moi je me dis, pour sensibiliser cette couche de la population, ces élites, les élites en fait politiques, les élites économiques, les élites sanitaires mondiales, l'OMS, peu importe, mais comment eux les sensibiliser au message de Baha'u'llah et à l'importance de l'unité mondiale? On sait qu'il y a quelques chefs politiques qui semblent avoir en tête cette idée-là d'unité, puis de partage même de certaines richesses ou de partage de certains produits sanitaires avec les populations les plus pauvres. Mais ce n'est pas la majorité et beaucoup, les grandes fortunes mondiales non plus ne sont pas sensibilisées nécessairement tous à cet enjeu mondial. Alors, moi, c'est ça, je me demande, moi, ici, dans mon salon aux Îles de la Madeleine, comment je peux
faire en sorte de sensibiliser ceux qui détiennent le pouvoir dans ce monde ici, parce que je ne me sens pas habilité à le faire. Mais comment on pourrait y arriver, par exemple? Je comprends que la Maison de justice peut toujours envoyer des lettres aux dirigeants mondiaux. Ça peut être une solution, mais est-ce qu'ils vont prendre ce message-là au sérieux? En fait, j'aimerais entendre M. Samandari sur cette question-là. Merci, Damien. Oui, je demande à M. Samandari, puis il y a plusieurs autres commentaires et questions aussi. Allez-y, M. Samandari. Alors, une chose. Vous savez, cette année, c'est le 75e anniversaire de la création des Nations Unies. Il y a eu beaucoup de discussions avant sur ce qui allait se faire pendant cette année. Et le secrétaire général des Nations Unies a décidé que, en fait, aujourd'hui, dans la foulée de ces conversations, il y avait la question d'une réforme des Nations Unies. Le secrétaire général a réalisé qu'aujourd'hui, il n'y a pas une volonté ou un désir même de réforme dans le gouvernement qui compose finalement les Nations Unies. Et elle a décidé, donc le secrétariat a décidé que son programme pour le 75e anniversaire ne serait pas dirigé aux États ni au gouvernement, mais à la masse de la population. C'est un programme qui a 11 millions de dollars de budget, un sous-secrétaire des Nations Unies qui est responsable de ce projet, M. Eric Hochschulz, et qui a décidé d'ouvrir le débat au plus grand nombre de personnes possible, avec les jeunes, avec les universités, avec les étudiants, plutôt que de se concentrer sur les responsables étatiques. N'oublions pas que la Charte des Nations Unies commence avec « nous, les peuples du monde ». Ce n'est pas « nous, les gouvernements du monde ». Et aujourd'hui, les Nations Unies ne représentent que les gouvernements. Donc, un changement fondamental est nécessaire. Et le secrétaire général réalise ce que nous, Bahaï, nous disons depuis toujours, que ceci doit venir avec la masse des gens et non pas avec quelques personnes en haut. Dans le message de la Maison universelle de justice pour le bicentenaire du Baab, nous avons ce fameux passage de la Maison qui dit « Reconnaître quelque chose par principe est une chose. Y adhérer de tout son cœur en est une autre. Et il est encore plus difficile de refaire la société de manière à l'exprimer d'une manière collective. C'est pourtant le but de communautés à travers le monde qui prennent modèle sur les enseignements de Baha'u'llah. Ces communautés s'efforcent de concentrer la lumière de ces enseignements sur les problèmes chroniques qui affligent les sociétés dans lesquelles elles vivent. Elles élaborent des programmes d'action concrètes centrés sur des préceptes spirituels. » Ça, c'est d'IA. C'est 3 mois avant la pandémie. Mais c'est un rappel constant de ce que la Maison de justice nous a rappelé tout le temps en disant que c'est avec ces actions-là qu'on contribue à la solution des problèmes du monde. Et regardez, justement depuis le début de la pandémie, la quantité de nouvelles que Baha'i International, Baha'i World News Service a publiées sur toutes les actions qui sont entreprises par des communautés, parce qu'elles ont été préparées depuis 20 ans, par le système que nous avons dans la communauté pour nous préparer à l'action sociale. Donc, on ne peut pas chercher un miracle en disant, en convaincant 100 personnes, 200 personnes, 5000 personnes, nous allons sauver le monde, c'est fini. Ceci me rappelle la réponse que Baha'u'llah a donnée lorsque les gouvernants et les chefs de la planète à qui il a adressé ses messages ont refusé de faire écho au message reçu. Baha'u'llah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à 2 catégories de personnes, le pouvoir a été enlevé, les chefs religieux et les gouvernants.
Personnellement, je n'ai pas beaucoup ou presque aucun espoir qu'une solution pour le problème du monde provienne des États. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont rien à faire, mais la vraie solution sera dans le changement d'attitude des masses. Une dernière chose. Pendant la pandémie, nous étions tous d'une manière ou d'une autre en confinement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire limitation de mouvement physique, pour aller faire des choses. Et dans ce contexte, je me suis demandé, qu'est-ce que l'action veut dire? Et j'ai changé ma définition d'action. L'action, ce n'est pas se lever et aller faire quelque chose. Peut-être l'action la plus importante que nous pouvons entreprendre, c'est un changement d'attitude. Un changement d'attitude est l'action la plus forte possible parce que c'est elle, cette attitude, qui fait que les actions puissent avoir lieu. Et si pendant cette période de réflexion, de pandémie, nous pouvons pour nous-mêmes et pour les autres travailler sur notre attitude, ça serait magnifique. D'ailleurs, c'est aussi le thème choisi par l'institution de Hurula en Europe qui ont créé une série de 9 cartes pour l'approfondissement sur le sujet de Hurula. Le titre, c'est « Une nouvelle attitude ». Merci, c'est très intéressant parce que justement, je voulais en revenir en disant la solution, il me semble, les solutions sont déjà prête à nos mains, à notre portée, c'est vraiment la volonté de l'esprit humain qui manque, n'est-ce pas? Alors, on a toutes ces réseaux sociaux et tout ça, mais c'est la volonté du cœur qu'on doit vraiment travailler. C'est de cela qui est notre travail quotidien, non? De vraiment essayer d'élever cette conscience et la volonté. Je crois que Sheida, tu avais un commentaire, si tu veux contribuer. En fait, M. Samadali a dit parce que tout ce que je voulais dire, le changement, ça vient de nous. Surtout les Baha'is, nous sommes responsables. Je ne crois pas que les gouvernements vont faire des changements si la masse, si nous, les grassroots, nous faisons pas des changements. Et ça commence avec nous, les Baha'is, parce que nous avons la solution. Nous sommes responsables. Une autre question qui doit être adressée, c'est l'injustice économique. Parce que maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de pauvres. Et moi, j'ai vécu en Afrique et quand je viens ici, puis je suis au Québec, à Montréal, donc je vois la différence. Puis je me rappelle des enfants qui mangent une tasterie par jour. Puis ici, les gens achètent des produits bio pour leurs animaux de compagnie. Donc, notre responsabilité est très, très grande. Et une des choses à faire, moi je travaille maintenant et je n'ai pas arrêté de travailler pendant la pandémie, c'est parler avec les gens parce que ce n'est pas qu'ils sont méchants ou ils sont cruels ou quoi que ce soit. Ils ne sont pas conscients. En Amérique du Nord, nous vivons dans une bulle. Un peu moins en Europe, mais c'est la même chose. Nous ne connaissons pas la réalité de la pauvreté réelle, de ce qui se passe ailleurs, de notre influence, notre impact. Quand on cherche les habits pas chers, l'impact que nous avons sur les travailleurs qui fabriquent ces habits. Donc, en parlant avec les gens, ils sont quand même très, très ouverts. Puis, il y a des conversations intéressantes qu'on peut faire avec eux. Donc, c'est notre responsabilité en tant que Baha'i de parler, d'agir, de vraiment appliquer les enseignements. On ne le fait pas, nous ne le faisons pas. Nous sommes tombés dans le panneau de du matérialisme. On cherche la plus grande maison, on cherche la voiture de luxe, on cherche ci, on cherche ça, alors qu'on n'a vraiment pas besoin de tout ça pour avoir une bonne vie. On a Miraclaire, puis après Gigi. Allô? merci pour toutes ces idées, c'est vraiment inspirant. Moi, j'ai étudié dans la pédagogie Waldorf, donc j'ai étudié plus en lien avec Rudolf Steiner ces dernières années, fait que j'essaie de maintenant switcher plus vers les écrits Baha'i, mais je suis encore un peu imprégnée de ça. Puis dernièrement, j'avais reçu
un texte sur Bouddha Chenard qui écrivait sur les pandémies et les choses comme ça, puis il parlait que c'était vraiment quelque chose de factuel. On pouvait voir ça comme un fait, que dans le fond, tout ce qu'on voit par rapport à notre crise actuelle, c'est un fait de tout ce qu'on a fait avant, comme un résultat. Et non, et puis de voir que toute l'industrialisation, comme on vient d'entendre ici, l'industrialisation en lien avec notre rapport avec les animaux, avec la nature, la matérialisation de notre pensée, ça fait que ces crises-là arrivent, en fait, d'une certaine façon. Moi, c'est comme ça que j'ai pu la comprendre. Il disait que vraiment, il faut éduquer l'être humain à sortir de cette matérialisation-là, sinon on va devenir comme des arbres desséchés qui ne peuvent plus produire de fruits, puis qu'il faut vraiment rentrer dans humainement, il faut s'élever dans une conscience spirituelle collective. Fait que je trouve que ça se relie quand même. Après, lui, il se perd un petit peu dans d'autres choses. Mais ce que moi, après, je comprends, c'est que cette spiritualité-là, elle peut être très concrète aussi quand on voit le plan de 5 ans, quand on voit la Maison universelle de justice, comment on peut arriver à appliquer sur le terrain, redonner le pouvoir à la population, aux jeunes, aux pré-jeunes, pour bâtir un monde nouveau. Quand j'étais allée à la Maison universelle de justice, j'étais allée en Terre Sainte, puis j'avais demandé à quelqu'un de dans le, je sais pas comment on dit, là, pour le, dans le dans le bâtiment d'enseignement. Puis je disais, comment on peut faire pour changer le monde si on peut pas s'impliquer politiquement, comment on peut faire ça, tu sais? Puis il dit, ben c'est vraiment à travers tout ce qu'on fait avec les programmes de pré-jeunes sur le terrain, quand ça se fait dans tous les quartiers mondialement, que là, on peut vraiment remettre le pouvoir à la population, puis il dit, on va pouvoir changer le monde de cette façon-là. Puis il dit, ça peut aller plus vite qu'on pense. Puis là, j'ai l'impression qu'on est vraiment, en ce moment, quand on voit à Montréal, avec tout le potentiel qu'on a, on a comme déjà une base, une fondation qui est là. Il faut juste continuer à continuer à bâtir ce nouveau monde-là. Et puis, je trouve que ça donne beaucoup de foi puis d'espoir, parce qu'on se rend compte que c'est beaucoup plus entre nos mains qu'on le pense, en fait. Et qu'on peut tous s'entraider. Et que, comme vous dites aussi, la technologie peut nous aider à sortir d'une certaine isolation, puis de se rencontrer ensemble, puis de collectivement travailler ensemble, puis être sur le terrain, mais aussi d'avoir une conscience nouvelle par rapport à l'action, ce changement d'attitude-là, cette volonté-là d'éduquer les cœurs, d'avoir une justice économique et sociale, globale et tout ça. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Ça, c'est sûr. Sinon, les écrits de Bahá'u'lláh, ça serait pas pour les 1000 prochaines années. Mais je pense qu'on est comme au début. C'est ça que je vois. Moi, c'est ce que je perçois. Merci. Voilà. Merci. Oh. Gigi? Oui. Est-ce que Mahmoud, vous voulez? Non, Gigi. Gigi, il faut que tu... Allez-y, s'il vous plaît, Mahmoud. Non, simplement, je voulais dire que nous n'avons pas à attendre 1000 ans, 880, 830 ans, ça sera suffisant. On peut espérer plus tôt. Gigi. Moi, mais tout d'abord, merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment excellent. Puis en tout cas, personnellement, je suis très heureuse d'avoir... d'être là ce soir, voilà, et puis d'entendre ce qui a été dit. Pour quelqu'un qui, depuis, pour revenir au message de la paix de la Maison universelle de justice en 85, et puis pour quelqu'un qui est dans une communauté ici où l'Assemblée a beaucoup travaillé dans ce sens-là avec... le milieu, les élus, les organismes communautaires depuis ce temps-là pour diffuser le message de paix
de la maison de justice et qui continue à travailler pour promouvoir la paix, puis qui continue à travailler pour le racisme, avec la population contre le racisme à travers des événements qui s'organisent au Québec, entre autres la semaine d'action contre le racisme et puis la semaine des rencontres interculturelles, etc., qui sont des événements que le gouvernement ici au Québec a mis de l'avant. Et nous, on a toujours été là, la communauté bahaï, avec ces gens-là, à travailler avec eux. Et je trouve que là, avec cette pandémie, ça a été comme un réveil pour bien des gens qui étaient comme inconscients. Mais encore, il y a beaucoup de gens qui sont inconscients. Mais il y en a beaucoup quand même qui se réveillent. Maintenant, nous, on voyage beaucoup entre la France, l'hiver, le sud de la France, et puis pour fuir le froid, et puis le restant de l'année ici. Et je trouve qu'il y a une grande différence entre l'attitude des gens ici au Québec et par exemple la France, par rapport au racisme et autres. Oui, il y a du racisme encore ici, et oui, il y a des problèmes même qui sont sortis à la suite, des problèmes qui sont sortis dans les rues aux États-Unis. Ici aussi, à Montréal, il y en a du racisme, on le sait, le profilage, etc. Mais dans l'ensemble, il y a quand même une grande, comment dirais-je, les gens deviennent de plus en plus conscients de ces problèmes-là et des effets néfastes de tout ça. Et la pandémie nous a beaucoup rassemblé les gens. Là, il y a beaucoup plus de solidarité et d'entraide qui s'est développée ici au Québec. Et ça, moi, je travaille beaucoup avec le monde et puis je trouve que c'est un début qui est quand même, qui nous donne de l'espoir. Mais c'est vrai qu'on est loin du compte. Mais quant à nos dirigeants, avec la corruption qu'il y a, il faut les laisser. C'est la base. Ça, c'est sûr que ça va être avec la base qu'il faut travailler. Nous, les Bahaïs, on a aussi beaucoup de travail à faire, mais on ne peut rien faire tout seul. Il est évident qu'il faut qu'on s'ouvre davantage et qu'on travaille avec notre quartier, nos gens, chacun dans son coin. Et puis la construction communautaire, on nous a donné tout ce qu'on a besoin avec les cercles rouillis, avec tout ce qu'on fait, puis les réunions de prière. Il ne faut pas lâcher. Je trouve que mais ça va prendre du temps. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Mahmoud, s'il vous plaît, oui. Si je peux, en réfléchissant à ce qui vient de dire, vient d'être dit par plusieurs personnes, et sur le sujet de changement d'attitude, et les changements ne sont pas seulement des autres. Nous aussi, on peut changer d'attitude. Et je pense au message d'octobre 2019 de la Maison de justice. Et il y a un mot intéressant là-bas. Je vais vous lire la citation. La Maison de justice dit « Nous arrivons au cœur de notre propos. Il s'agit d'une question difficile et elle requiert de la franchise. » Elle est difficile et elle requiert de la franchise. Ça veut dire, à mon avis, que nous aussi, on doit réfléchir pas mal là-dessus. Il existe de nombreuses causes nobles et admirables dans le monde. Et elles découlent de perspectives particulières, chacune ayant son propre mérite. La cause de Baha'u'llah est-elle simplement l'une d'entre elles? Ou est-elle universelle, incarnant les plus hauts idéaux de toute l'humanité? Après tout, une cause destinée à devenir la source de justice et de paix durable, non pas pour un lieu ou un peuple en particulier, mais pour tous les lieux et tous les peuples, doit être inexhaustible. Elle doit posséder une vitalité céleste qui lui permette de transcender toutes les limites et d'englober toutes les dimensions de la vie de l'humanité. En définitive, elle doit avoir le pouvoir de transformer le cœur humain. Alors,
à l'instar de l'invité du Bab, donc ça c'était pour le 200e anniversaire de la déclaration du Bab, de la naissance du Bab, alors à l'instar de l'invité du Bab, observons attentivement. La cause de Baha'u'llah ne possède-t-elle pas ses qualités mêmes? Je crois que, en tous les cas pour moi, quand la maison de justice dit que c'est difficile et requiert de la franchise, c'est aussi comment nous voyons notre message comme une réponse immédiate aux besoins du monde. Et si elle est une réponse, et si le message est une réponse immédiate aux besoins du monde, est-ce que nous sommes en train de le partager de manière immédiate avec tous ceux que nous pouvons ou que nous devons? Tellement vrai. Oui, je crois que Lise, vous avez un commentaire. Oui. D'abord, merci beaucoup. C'est vraiment extraordinaire. Toutes les pensées sont vraiment très, très riches. Ma seule petite contribution, c'est à propos de l'environnement. Donc, c'est important aussi d'encourager, faire des achats comme zéro déchet, donc en apportant nos plats, nos sacs, tout ça. Puis avoir aussi, si pour les gens qui peuvent, s'ils peuvent se permettre d'avoir des paniers bio locaux. Donc à ce moment-là, c'est bon pour nos producteurs, c'est bon pour les abeilles, les insectes, les travailleurs, tout l'environnement. Donc tout ce qu'on peut faire pour acheter local et aussi de ce temps-ci, je suis contente, je peux faire mes achats, juste prendre ma voiture, je prends mon petit panier avec roulette, même j'en prends deux paniers à roulette, je vais faire mes commissions, je fais l'exercice en même temps, donc... Si on peut penser ça, parce que souvent on est léger, on dit bah, mais mon Dieu, j'ai pas le temps, tout ça. C'est certain que c'est pas tout le monde qui peut se le payer, mais les producteurs, nos producteurs ont besoin, puis surtout la qualité est là, c'est très bon pour nous. C'est tout. Merci, Lise. Oui, je crois que Brownlee, tu voulais dire quelque chose, ma chérie? Sorry, my husband's computer. So I was just thinking that it's very inspiring what everyone has shared. And I was just thinking back to what Shoghi Effendi had written in 1936. And it's really so prescient. You know, it's so prescient. It's so be prepared. Brownlee. Yeah. Are you going to do this in French or shall I translate? Ah, excusez. Non, j'ai oublié. Je pense en les deux. Non. Je voulais juste me rappeler que Shoghi Effendi, ce qu'il a écrit en 1936, vraiment, c'était prescient. Il parlait de l'avenir. On a tout ça, nous, aujourd'hui. Et si vous pensez vers l'avenir, OK? Si on pense aujourd'hui, où est-ce qu'on est rendu? 3 mois après, ça a tout bouleversé toutes nos vies. OK? Et puis, pour les autres, ça fait plus comme 5 mois, 6 mois, peut-être même plus. Mais si on pense la responsabilité qu'on a chez les bails, c'est pas un fardeau, c'est une opportunité. Et l'amour de la maison de justice, qui nous ont écrit beaucoup plus souvent qu'avant, qui est les conseillers qui nous soutiennent. Vraiment, c'est une opportunité pour nous. C'est une période de réflexion imposée. On n'a pas de choix. Il faut arrêter la vie quotidienne, réfléchir, penser d'une nouvelle façon. Et aussi la technologie. OK? Regarde, qui a jamais pensé qu'on se verrait? Moi, j'ai vu jusqu'à date, depuis 3 mois, j'ai vu 2 personnes, OK, en dehors de ma famille qui est ici à la maison. 2 personnes depuis 3 mois, physiquement. Mais c'est rien. On peut retrouver le contact avec les amis d'il y a 30 ans, il y a 20 ans, les gens qui vivent la côte ouest, l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud, peu importe. On a le temps de... Et eux aussi. Et les gens, ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils font les bails. Pour vous, les bails, comment ça change pour vous? Là,
on a beaucoup d'opportunités à part de partage et aussi beaucoup de responsabilités. Et je pense pour nous, ce qu'il faut absolument faire, chaque personne, chaque jour, chaque semaine, c'est, oui, les paroles de Baola, du Bob, mais aussi les messages de Maison de Justice qui nous donnent la guidance pure et simple. C'est quoi les solutions? C'est quoi l'approche pour cette pandémie, ce qui est le nouveau normal? Merci. Merci, Marley. Je crois que on est en train d'arriver à un moment où on doit vraiment voir et faire un petit résumé ensemble. Premièrement, remercier notre cher Mahmoud Samandari pour d'avoir soulevé tellement ces points importants et de vraiment nous rappeler que le peuple du monde a besoin de se lever, de vraiment être invité à des conversations profondes et significatives. Et c'est à nous de vraiment parler à toutes les gens qu'on connaît autour de nous et les inviter à joindre cette consultation, cette discussion. Parce que, comme vous avez tous dit, ça commence avec nous et ça commence avec chaque action. Comme Mahmoud, vous avez cité la citation, chaque décision et action qu'on prend a des conséquences et des répercussions. J'aimerais vous demander de nous donner les dernières paroles, s'il vous plaît. Mahmoud, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Vous dites dernières paroles, ça me fait penser quand j'étais petit, je voyais l'annonce d'un film, disait le dernier film de tel et tel. Je me disais, comment est-ce qu'ils savent qu'il va mourir parce que c'est son dernier film? Mais après, j'ai réalisé que c'était le dernier en date. En fait, la réflexion que je propose de faire, c'est d'abord, vous savez, un événement arrive, une pandémie, tout le monde commence à réfléchir, et puis tout d'un coup, deux mots dans une citation du gardien prennent une signification immense, n'est-ce pas? Cette citation, l'éradication des maladies, c'était dans les écrits depuis 80 ans, c'est pas? Mais c'est maintenant que tout d'un coup ça devient très important. Personnellement, j'ai trouvé que partager cette citation avec des gens que je connais est un moyen très puissant. Je vous le recommande. Deuxième chose, peut-être nous pouvons penser à des choses très concrètes d'ici la prochaine réunion. Et Mitra va me rappeler la date, puisque j'ai l'autre écran maintenant. En tous les cas, peut-être que nous pouvons nous donner un petit travail. Essayons d'avoir des conversations avec les gens autour de ces thèmes d'ici la prochaine fois. Et puis, une partie de la réunion que nous allons avoir la prochaine fois sera quel a été le résultat de nos conversations sur ce thème. Parce que je répète, ce que j'ai envie de faire et ce que nous allons faire bientôt, c'est de créer un groupe de discussion autour de ce sujet avec vraiment une ambition très forte. Et pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas être le centre d'un débat et d'une question sur, par exemple, la conversion des industries pour aller dans une direction nouvelle? Nous pouvons être le centre de ce genre de conversation. Si nous voulons être ça, qu'est-ce que nous devons apprendre? Qu'est-ce que nous devons faire pour un jour aller vers des scientifiques, vers des industriels et dire, voilà, ça c'est ce que le gardien dit, ceci est la réalité du monde, mettons-nous au travail et commençons à avoir une consultation pour voir comment ce changement de l'industrie pourrait se réaliser. Il y a encore une question? Non, je crois que la question a été posée. Ah, d'accord. Bien.
Alors, merci, je vous remercie. Est-ce que vous avez fini, Mahmoud? Oui, simplement si vous rappelez la prochaine date. Oui, alors la prochaine date, parce qu'on a pensé que c'est un sujet qui a beaucoup, une grande envergure, puis on pourra engager beaucoup plus de personnes, puis peut-être ça sera notre tâche, les gens qui ont participé ce soir, d'inviter plusieurs amis que vous pensez pourront entrer dans cette consultation et qui auront des questions aussi et qui auront d'autres suggestions. Alors, on va avoir une deuxième partie le 26 juillet. Et cette fois-ci, on va accommoder nos amis en Europe et ailleurs. Alors, ça sera à 14 heures, notre temps, le temps d'Amérique du Nord et de Toronto et de Montréal, pour donner une opportunité pour la participation des amis d'Europe. Bien? Alors, je crois qu'on se donne une date le 26 et on remercie encore tout le monde qui sont venus, qui ont participé, mais spécialement M. Mahmoud Samandari. Vraiment, merci infiniment. Merci à vous tous. Merci. Merci. Merci pour une bonne soirée, tout le monde. Merci. Je n'ai pas salué personnellement tous mes amis dans l'audience, mais en tous les cas, bonjour à tous. Merci. Merci du fond du cœur. Merci tout le monde. Merci à vous. Merci. Merci. Il y a une question pour Mitra, notre animatrice. Oui, ma chère. Est-ce que ça a été enregistré? Oui. OK, on peut donc, tu peux nous l'envoyer pour qu'on puisse diffuser ça? Alors, ça sera sur le site web de firesidebahai.org. Ah, sur le site web, OK. Mais ça va être un peu rédigé, puis après, ça va être mis comme une des liens que vous pouvez accéder. OK. Parfait, parce qu'on aimerait l'envoyer à nos enfants, etc. Okay. On peut le diffuser. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est salut tout le monde. Mais peut-être si tu peux nous dire quand on va pouvoir le prendre, parce que j'ai compris que tu dois travailler un peu dessus. Donc, très bien. Tu peux t'envoyer un courriel sur Unite. Très bien, Liz. Je vais le faire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Julia. Merci, bonne nuit. Julia. Bonne nuit, oui. Bonne nuit. Bonne nuit.